Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est toujours un plaisir pour m'entrer la caillou pour me porter pour toute dernière information à travers le pays d'Haïti, tant que l'autre bord de l'eau. Jeudi, nous c'est mardi 16 avril 2024. Bienvenue dans la deuxième édition Journal Créole. Nous avons présenté par ami Jerry Cheristal en collaboration avec VOA Créole depuis Washington, D.C. Pour cap dominer l'actualité sous plan international, l'armée israélienne a annoncé les touiller un commandant Hezbollah pendant puissance occidentale a dénoncé menace yon augmentation violence dans la région Moyen-Orient, surtout à conflit qui gagnait entre Israël ensemble avec pays Iran. Actualité à nan pays États-Unis, ancien président américain Donald Trump comparaît pour une deuxième fois jeudi mardi consécutive et bien dans un tribunal New York dans cadre procès criminel. Une actualité à nan pays d'Haïti, conseil présidentiel nan pays d'Haïti a lui-même conseil ministériel là et bien promettre pour que lui-même li capable faire nomination membre conseil présidentiel en transition dans un délai possible et dans une plus bonne condition. C'est tout point ça yo avec divers lots. Nous va gagner pour nous développer pour après-midi dans journal ça, restez connecté à nous. Une façon capable bien informé n'a observé une petite pause tout petit. Yo l'autre fois encore bonsoir pour nous tout et bienvenue dans développement journal Sila. Conseil présidentiel en transition nan pays conseil ministériel là nan pays d'Haïti pour mettre pour que lui-même là capable et bien faire nomination 9 membres conseil présidentiel là après un bon bout de temps gagné comme lui-même qui te mandé pour que capable former conseil présidentiel là pour capable diriger dans pays d'Haïti et surtout ensemble avec ancien premier ministre Ariel Henry qui était déjà fait promesse ça pour que lui-même est capable démissionner et si toutefois t'a gagné un nouveau conseil t'a gagné un nouveau gouvernement et comme lui-même qui pral mandé pour capable former conseil là et que chacun structure yo voyez représentant yo nan bay CARICOM pour que les mêmes capable gagne représentant en dans conseil présidentiel là et bien là vinn gagner madame mademoiselle et monsieur gagner conseil là qui t'a supposé installer nan jour qui s'est passé yo et bien conseil présidentiel là jusqu'à présent qui trouvait nan impasse et yon décret après normalement vinn gagner décret lui-même il vinn sortir arrêté lui-même après que directement madame mademoiselle et messieurs il y a un conseil ministériel là lui-même qui t'a annoncé que lui-même li déjà fait publication 9 membres yo et t'a pral gagner 9 membres yo qui pas publié et par la suite on t'a pral joindre ministère communication ensemble avec ministère de la culture qui t'a pral faire connait et que lui-même c'est il est pas tant publié vraiment et par la suite t'a pral gagner une réunion hier madame mademoiselle et messieurs avec ministre pour capable réunis en exclusivité pour capable et bien faire publication 9 membres et jusqu'à présent dans moment n'a parlé là et bien gagner gros promesse qui déjà faite hein, par conseil ministre là et que pour que capable gagner installation yo mais déjà faut qu'il capable gagner publication 9 membres qui de sorti dans journal le moniteur et n'a faut qu'on ait gagner installation ça qui va gagner pour faire dans jour qui gagne pour venir yo et passation de pouvoir lui même il a fait pas une commission qui va gagner pour capable et bien passer pouvoir retirer le nom Ariel Henry pour capable remettre avec conseil présidentiel là qui va gagner pour diriger pays d'Haïti et pour capable faire tout ça qui demande de lui pour capable gagner un premier ministre pour capable organiser élection dans le pays d'Haïti. Gagner madame mademoiselle et messieurs bandi qui envahit jodia et Kafou aéroport et qui gagnait plusieurs nega exam qui était avec un gros am fanfan dans mayo qui était envahi ambassade en pile coup de balle tap chanté et petit monsieur vivant ensemble yo qui était sémenté pour que Ariel pas entrer dans pays d'Haïti et que pour que rabab simé la trouble n'a pas rappelé petit monsieur ça yo gagnait barbecue gagnait ISO 5 secondes Jeff Gaulois et ensuite sans que nous pas oublier vite l'homme innocent ensemble avec Tilapli et pourquoi pas
Christ là qui trouvé là dans troisième circonscription et gagné tout mes amis internautes pendant n'a parlé de bandits qui envahit en bas et bien c'est tout côté dans tout petit raccoin côté que monde t'a relé en moyen et mais qui pas te connaît qui ça pour te faire parce que situation était extrêmement compliquée et bien jeudi a et en bas sous dans route aéroport que plusieurs monde étaient obligés à courir même journalistes pas de possibilité madame mesdemoiselles et messieurs pour que tu capable et bien joindre quelques vidéos et même prendre faire quelques interviews ensemble avec différents individus qui trouvent sur route aéroport gagné tout mes amis internautes hier la police arrivé pétésisier deux individus en face et en face lycée Horacius l'aventure dans Delma 75 tu as trois individus qui étaient sous moto qui t'ai créé moyen pour que capable simuler la trouble dans espace là et bien la police lui-même qui rivait à temps et bien rivait mettez pied sous cou de là-dedans et l'autre là lui-même qui rivait sauver et dans moment là parler à la police lui-même qui déjà fait qu'on est lycée monté pour que lui-même est capable bail service avec population et protéger bien avec vie population chaque jour plus et bien dans même Delma 75 ça gagne plusieurs individus qui dans local dans même localité a et bien qui salue courage la police parce que avec intervention que lui-même lui fait jusqu'à ce qu'il mette deux bandits à terre avec zame qui était dans main la police lui-même non seulement yo content et population même yo salue la police avec un courage de bravo gagné directement dans pays République Dominicaine dans Saint-Domingue gagné trois agents immigration qui maspinaient qui crasaient zo yon policier en République Dominicaine principalement dans deuxième ville pays a qui c'est Santiago dans yon rue Orile restauration et bien police et bien ces policiers ça lui-même sami internaute qui c'est Onesis Solis Onesis Solis Contreras, et bien lui-même qui vivait, je n'ai plaisir, qui prend plaisir coup de bâton, nan men agent immigration yo, pour yon moun ki noir, qui ont même été considéré comme c'est à yon haïtien que lui-même l'italien. Et bien là, et bien immigrant, et bien et agent immigration yo même qui trompe yo, yo même qui pensait c'est yon haïtien que citoyen lui-même, que soliste lui-même lié, et lui-même lié à prendre. Toute qualité coup de bâton sa yo il t'est présenté là directement nan yon inassistant li même qui c'est yon endroit côté que yo régler affaire médicale et lorsque il rivé il t'a remarqué c'est à yon nan moun qui prend en pile coup et bien après que lui même nan li présenté directement devant la justice pour qu'il capable porter plainte il gagne agent immigration yo regardé yo même qui fait qu'on est c'est après que et bien soliste lui même l'état fin jeune libération après que agent immigration Tekembeli yo été arrêté lui la guerre par la suite avec un série de mauvais propos qu'il même lui a lancé et bien lui est arrivé frapper lui et après malgré tout yo rivé jeune libération dans sens ça à cause de couleur noire qu'il même nié comme quoi que c'est haïtien que lui-même l'italien et bien proverbe ça rivé en ligne de compte qui c'est ravette pas jamais bien raison devant poule n'a continué ensemble avec information yo gagné l'armée Israël la lui-même et qui touyé yon commandant nan Hezbollah et bien pendant puissance occidentale yo a dénoncé menace pour une augmentation violence et bien dans région Moyen-Orient surtout conflit qui gagné entre Israël ensemble avec Iran et bien chef Israël la lui-même li annoncé nan jou k'ap vini yo li gen réponse pour qu'il capable bay ensemble avec Iran qui sont attaqués, mais réponse ça, il n'y a pas ni jour ni l'air. Et Benjamin Netanyahu, en tant que premier ministre Israël, lui-même, il s'est monté 7 fois, 77 fois. Qu'est-ce que ça, lui-même, il n'y a pas fini, il a continué pour qu'il soit capable de déraciner quel que soit n'importe quel monde qui est dans Gaza. Gagné ancien président Donald Trump, le président américain, lui-même qui paraît pour une deuxième fois jeudi,
Après, hier, lui-même, il était fini présenté dans le tribunal dans New York. Jeudi, il paraît une deuxième fois pour que lui-même soit capable de connaître qui ça bagala, lui-même lié. Pour qu'il ça directement paraît dans le tribunal là, et bien, dans le cadre pour un procès criminel, et bien, c'est un monde qui n'a une série des actes malhonnêtes en tant qu'ancien président. Et bien, c'est un premier président dans tout président américain que États-Unis même l'y passé, et bien, qui paraît devant la justice. Non seulement pour le nombre de fois qu'il présente, et deuxièmement, qui paraît pour cadre, et bien, pour ses criminels. En tout cas, j'ai une situation les mêmes liées, là côté que Donald Trump, les mêmes liées, qui va gagner pour être capable de participer dans l'élection novembre, qui va gagner pour venir, et bien, lorsque l'ancien président l'était trouvé là directement dans. En dedans directement dans tribunal là dans New York, tu as plusieurs protestations qui t'a fait hein? Et mes protestations c'est ta anti Trump qui oui, c'est des monde qui après les abat criminel Trump hein? Et bien on a parlé à Trump trouver une situation là côté que et bien gagner élection ça gagner élection lui-même lui en jeu et c'est ça qui capable mettre Trump lui-même lui en déroute dans pour c'est dans question élection ça dans c'est ça qui est le procès criminel là qui capable bailler trop gros problème qui va permettre que lui-même en pile monde capable virer do bali et que élection lui-même li capable river perdre là gagner une déportation qui a fait en République dominicaine et bien pour la guerre depuis c'est haïtien qui gagnait dans le pays d'Haïti et bien gagner citoyen premier citoyen pays a qui premier citoyen pays a lui-même qui déjà, lui, Rodolfo Abinader Corona, qui fait qu'on est déportation ou même, il n'y a pas de camper. Eh bien, gagner ça, qui est le déportation, ça, sorti février pour arriver directement en avril 2024, gagner 7 000 Haïtiens qui ont été déportés, sorti en République dominicaine pour la guerre derrière barrière. Et surtout, lorsque nous prenons, eh bien, marché a qui gagnait en temps d'abord ensemble avec un pays d'Haïti, eh bien, deux côtés ça yo, c'est un côté, surtout lorsque gagne marché, ils ont demandé pour que papiler une série de parties dans le territoire dominicain, à la minute qui ont même, ils ont pilé là, et c'est un moyen tout qui est capable de permettre que, eh bien, Dominicains, ils ont déporté Haïtiens, la guerre des barrières dans la République d'Haïti. Voilà, madame, mesdemoiselles et messieurs, nous comptons pour nous présenter au journal en jeudi. Nous qui t'a présenté le site des amis Thierry Chestal. Jeudi, c'est le deuxième numéro pour ce maintenant. Nous avons espéré que vous-même êtes capable de toujours être vivant, bon Dieu, capable de prêter la vie, ce qu'on ne peut pas conduire, ce qu'on ne conduit pas, de toute façon, pour demain, pour que vous-même êtes capable de suivre la deuxième édition. Et que première, troisième édition, et deuxième édition, nous avons quitté aux amis internautes, ensemble avec VOA Creole, pour plus d'informations et pour plus de détails. Actualité internationale, l'armée israélienne a annoncé qu'il prend la vie d'un commandant Hezbollah pendant puissance occidentale a dénoncé menace en augmentation violence dans la région Moyen-Orient, surtout à conflit Iran-Israël. Toujours dans l'international, l'ancien président républicain Donald Trump a comparé jeudi pour un deuxième jour, l'un après l'autre, dans un tribunal dans New York, dans le cadre d'un procès criminel. Et puis dans le pays d'Haïti, le Conseil des ministres promet pour le faire nomination membre du Conseil présidentiel transition dans le meilleur délai et dans les plus bonnes conditions possibles. C'est pour ça, yo. Avec l'autre quoi, nous allons développer pour dans rendez-vous info pour aujourd'hui, mardi 16 avril 2024. Et actualité à mener nous d'abord dans la région Moyen-Orient, côté que situation était très tendu, l'armée israélienne fait annoncer que li prend la vie yon commandant Hezbollah dans sud Liban pendant que puissance occidentale yo même yo a exprimé qu'est-ce pour pas gagner yon violence qui est escaladée dans zone là et surtout avec conflit entre Israël avec Iran et Konya ces menaces cap sorti des deux côtés. Sandra Lemaire gen détail. Chef militaire Israël a dit pays libre pour répondre à l'attaque à missile Iran t'est lancé contre le week-end passé. Cependant, il n'y a pas de détails sur qui le ni qui Jean. Lieutenant général Herzi Halevi déclaré lundi que Israël a réfléchi sur prochaine étape libre pour suivre et que l'attaque à missile iranien à drone a lancé pour joindre réponse. Iran will face the consequences for its actions. We will choose. Il dit Iran va faire face à conséquences actions. Nous pourrons choisir réponse nous pas conséquent.
Allez vite et parler comme ça pendant une visite des faits dans la base aviation Nevatim, là, que Israël dit subit attaque légère pendant attaque iranienne. Premier ministre Benjamin Netanyahu a rencontré responsable au placé gouvernement pour discuter sur une réponse possible. Téhéran lui-même dit qu'il paraît pour Israël. Hossein Amir Abdollahian, c'est ministre Affaires étrangères pays. Le régime israélien fait une erreur. Quoi ça, réponse Iran, Jean, commandant militaire iranien, dit pas minime, mais plutôt immédiat et sévère. Leader mondial a encouragé Israël pour ne pas répondre à l'attaque Iran. Côté Téhéran, il a lancé plusieurs centaines de drones, missiles balistiques et missiles croisières contre Israël. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Et bien, n'importe quoi, il y a une actualité concernant les États-Unis, division dans la Chambre des députés, à un moment donné, pour voter, une assistance pour Ukraine, avec Israël, semblait Taïwan. Jean-Robert Philippe dit nous, président Joe Biden, encourage les députés pour voter même proposition de loi Sénat, te voter. Jean-Robert Philippe, il y a un détail. Jean-Robert, et pas la venue. Effectivement, Jacqueline, nouveauté qui gagne, c'est que pression continue à faire, malgré toutes les démarches qu'on a faites, mais pression continue à faire, surtout, bon côté et conservateur, qui a cherché pour voir dans quelle mesure qui a forcé la main, et alors, président et chambre députée, à l'appareil de Speaker of the House, là, Mike Johnson, lui-même, pour l'état démissionné et monsieur confirmé, et faut la faire pour voir s'il va passer une proposition de loi qui pourrait avoir assistance à Ukraine. Ukraine et puis avec Israël, eh bien, lui-même, pour lui-même, a fait démissionner à Pape qui sa pièce et simplement la continuer de travailler et que tout le monde a fait démarche pour lui demander pour lui démissionner ou bien pour lui pousser d'eau pour lui placer par sa pièce. Et c'est ça, comme ça, que l'administration dit lui-même, l'attend que lui fait proposition là, pour qu'il soit capable de commencer à discuter avec les démocrates sous proposition là, ça, Jacqueline. Un député américain a considéré la possibilité pour voter une assistance séparée pour Israël avec l'Ukraine d'ici fin de semaine. Annonce a fait plus passer deux mois après le Sénat a voté une assistance combinée pour deux pays concernés. We will vote on the Israel aid, on the aid to Ukraine, on the aid to the Indo-Pacific, and then another measure that has our national security priorities included. Le député Mike Johnson a déclaré qu'il a voté une assistance pour Israël et une autre pour l'Ukraine avec une assistance pour Indo-Pacifique là. N'a voté une autre mesure qui a priorisé la sécurité nationale. L'autre proposition de loi sous sanctions contre l'Iran semble liée. L'autre mesure, nous avons longtemps depuis n'a pas les deux. Assistance aux États-Unis a retardé à cause de volonté depuis de Johnson pas gagné pour considérer une assistance de 95 milliards de dollars à sénateurs de partis qui a approuvé en février. À tant coup, 14 milliards de dollars à assistance pour Israël et puis 60 milliards de dollars à assistance pour l'Ukraine. Républicain il y a un plan publié texte proposition loi jeudi mardi, mais il a observé 72 heures ou bien 3 jours, il y a une période de révision avant vote là qui va faire pas plus tard que vendredi, d'après député Johnson. Approche président Johnson fait dans le Capitole là capable d'inciter plus députés conservateurs qui déjà pas contents à façon de diriger Chamna. Il y a une parmi eux, c'est député républicain État-Georgie, majorité Lord Green, qui déjà menacé pour retirer député Johnson en poste là. I am firmly against the plan as it stands right now. Here's what Republican voters across the country know. They know that Speaker Johnson passed a two-part omnibus. Moi pas d'accord avec comme ça sous façon le présenter. Mais information républicaine dans pays a connaît. Yo connaît président Johnson voter un budget en deux parties pour financer ouverture frontière, différencier département justice là qui a adopté 91 chefs d'accusation fédérale contre président Donald Trump avec intention pour mettre en prison pour toute reste ville. Les financer FBI qui fait une descente de liens dans Mar-a-Lago avec construction d'un nouveau building pour lui. Je dis à la dit peuple américain avec électeurs républicains, il pourra bailler Ukraine 60 milliards de dollars, financer Taïwan, Israël, avec quelques assistances pour sécurité qui vient là-dedans, l'argent pour interdire TikTok. Président Joe Biden qui t'a accueilli dans la Maison Blanche, Premier ministre tchèque là, Peter Fiala, mandé chambre députée républicaine contrôlée pour accepter immédiatement assistance Sénat déjà votée. Il le fait jeudi à même. Jean-Robert Philippe, VOA Creole, Washington.
D'après toujours ici aux États-Unis, dans l'actualité, ben, je dis, c'était deuxième jour pour ces criminels historiques contre l'ancien président républicain Donald Trump. Et t'es un monde qui pour et qui compte qu'ils aient vu faire autant de voyous. Nous sommes sous place dans New York, Valério Saint-Louis. Jodi mardi 16 avril, ça, c'est deuxième jour dans procès historique contre ancien président Donald Trump. Là. Avocat de parti a essayé de choisir 12 membres jury dans la ville de New York là pour considérer l'accusation criminelle que l'ancien président américain a fait face avec lui et pour déterminer tout s'il est coupable ou soit innocent. N'a rappelé que c'est premier jugement criminel contre un ancien président ici aux États-Unis. Juge là dans le tribunal là, te dit candidat pour vin membre jury yo que yo doué impartial et puis yo doué mettre sous côté n'importe parti pris ou soit attitude personnelle que yo ta gagné sous accusé ou soit sous cas, surtout que Donald Trump là c'est yo cas qui gagne la donne influence orientation politique. 12 membres jury ça que yo pral sélectionné a pral gen pour yo tendre dossier criminel que Donald Trump candidat républicain pour président 2024 là a fait face avec lui avant élection 5 novembre année ça. Processus sélection membre jury yo ta ka dire à peu près une semaine. Bon côté pas le procureur district Manhattan Alvin Bragg, un démocrate, t'est accusé Donald Trump pour fraude ak magouille que l'ta fait pour couvrir un paiement de $130,000 que l'ta fait dans dernier jour campagne présidentielle 2016 là pour acheter silence, fermer bouche vedette porno Stormy Daniels là sur une rencontre sexuelle. Yo crasé que l'ta bali dans l'année 2006. Donald Trump a démenti l'accusation. Elle dit qu'il n'a pas aucune relation comme ça avec vedette film porno Stormy Daniels. Elle a plaidé non coupable. Elle a dénoncé le jugement avant d'être entrée dans la salle tribunal. Ça, c'est persécution politique. Pas de monde qui jamais voit bagaille comme ça. Et puis encore, c'est un cas qui n'a pas jamais présenté. Pendant que l'ancien président en dedans tribunal là, multiple manifestants anti-Trump et supporters Donald Trump ont rassemblé du tribunal criminel Manhattan dans New York. C'était un face-à-face côté que manifestants ont manqué de mettre main. Jamie Bauer, qui est un manifestant anti-Trump, t'a dit: nous très contents que Trump finalement dans jugement dans un dossier criminel. Il y a 88 crimes contre lui. 34 là dans ici là dans New York. Consentou, nous content que c'est dans New York parce que nous sentis que tribunal New York est sans parti pris et puis juste et jury New York est sans parti pris. Nous bref suivre jugement pour 6 semaines qu'a venir là et moi espérer que ballon va dit coupable. Mark Crawford Levitt lui-même tout son manifestant anti-Trump. It's a wonderful day for a trial and for the rule of law. C'est un bel jour pour le jugement et pour respect la loi et moi apprécier respect la loi ça. Moi c'est un citoyen et moi senti que pas aucun garçon ou soit femme qui puis haut passer la loi. Jean lui-même, ils sont supporters Donald Trump. I'm here to support Trump. You know, it's getting to a point where it's really ridiculous. Moi, là pour me supporter Donald Trump. Vous connaissez, bagaille ça arrivé dans un point côté qui est vraiment ridicule. Yo vinn sous lui avec un pile angle différent. Pas une dans ça a été déclaré sous lui pendant 4 années, c'est bagaille différent. Il a essayé joindre une façon pour yo camper lui et puis il a essayé empêcher yo opposant politique gagner élection. Madame ça, Laura Loomer, lui-même tout les sont supporters Donald Trump. To be here to support President Trump, the greatest president ever, as he said. L'important pour ici, t'as pour supporter président Trump, puis gros président qui t'es jamais gagné. Pendant que l'absibi ou l'autre persécution, nous ouais que l'administration Biden, avec département justice, avec toute persécution corrompue ça y est. Montancou Alvin Bragg, avec Laetitia James et même juge Marchand, y'a voulu proposer que nous avons un système justice. Ça nous ouais qu'à dérouler là, c'est un système injustice. Y'a dit coupable, pas qu'à empêcher Donald Trump candidat pour poste président. Mais moitié d'un voteur indépendant yo ak youn sous 4 voteurs républicains dit qu'il n'a pas voté pour lui si il est arrivé condamné d'après un sondage que Reuters Ipsos a fait pour VOA Creole. Valério Saint-Louis, New York. Merci Valério Saint-Louis. Dernière nouvelle, yo fait connaître que eh ben yo fait prend 6 jurés. Nous connaissons que depuis hier il a fait processus là pour capable de 12 jurés, donc 12 membres jurés avec 6 suppléants de Konya, yo joine 6. Donc processus là a continué. Donc rendez-vous demain pour actualité. Et puis l'autre point dans actualité, nous parlons en Amérique du Sud, un pays Venezuela qui ferme et ambassade li, ou bien toute représentation diplomatique li, dans pays Équateur qui trouvait dans conflit diplomatique avec Mexique. Serge Rodriguez, gen détail. Autorité dans pays Équateur te poté bourré dans ambassade Mexique dans capitale La Quito dans date 5 avril passé pour poser arrestation ancien vice-président équatorien Jorge Glass.
qui t'a pris refuge dans mission diplomatique Nation Aztèque là à la recherche asile politique, yon demande gouvernement président Andrés Manuel Obrador là t'est agréé puis bonheur dans journée vendredi ça. Action si là t'est débouché sous suspension relations diplomatiques entre deux pays. Yo. Avocat accusé à M. Sonia Vera t'est demandé assistance pour côté Commission interaméricaine des droits humains, Conseil de sécurité des Nations Unies, mais avec Assemblée générale Organisation mondiale là, pour joindre une solution sur ce dossier. Dans le coup de 4 là, le pays Mexique déposait une plainte contre Équateur devant la Cour de justice de l'ONU pour être quitté au violé traité des Nations Unies sur relations diplomatiques. Pendant ce temps, il y a un gros développement dans le dossier SILA qui peut être signé président Venezuela Nicolas Maduro, qui bail l'ordre pour faire mettre toute représentation diplomatique li dans la capitale équatorienne, une façon pour protester contre la détention ancien vice-président équatorien Jorge Glass. Moi, passer l'ordre pour fermer ambassade nous dans l'Équateur et puis fermer consulat nous dans Quito, dans la ville Guayaquil, et puis pour personnel diplomatique là retourner dans Venezuela. Et de Venezuela fait gros exigence tout côté li mandé pour Équateur retourner M. Glass bail Mexique. Y Venezuela va exigir que el gobierno de Ecuador. Venezuela va exiger pour le gouvernement équatorien retourner ancien vice-président Jorge Glass by Mexique, qui offre l'asile politique pour le cas où prendre état santé. Ce pour parler, le gouvernement équatorien a précisé tout le monde qui a démêlé avec la justice nation équatorienne n'a pas le droit de bénéficier de protection dans une ambassade étrangère. Serge Rodriguez, VOA Creole, Washington. Et oui, c'est un conflit diplomatique entre Mexique avec Équateur qui toujours dans l'actualité a et gan pile réaction qui sorti là-dedans notamment bon côté les États-Unis qui les mêmes condamné et question ça le fait que eh ben gagne un policier équateur qui rentré dans ambassade Mexique dans ville Quito dans pays Équateur et gagne l'autre réaction encore gagne organisation état américain qui était réuni sous lui gagne Nations Unies tout qui réuni sous lui donc gagne plus instance internationale qui toujours a opiné sous question ça ou sous VOA créole ou suivi un programme dans langue créole haïtien. Ou toujours sur VOA Creole, on suivi un programme dans langue créole haïtienne, on répète depuis Washington DC, et ça fait nous plaisir d'être ce que nous connaissons ou branché dans le moment. Actualité dans le pays d'Haïti, c'est conseil présidentiel de transition, qui toujours pour qu'on connaît qui l'a installé, et ça fait dans le mi-temps, il y a un paquet de confusion qui gagne par rapport à arrêté qui sorti dans le moniteur. D'après un dernier note que ministère culture et communication sorti, et bien, il précisait que la fin nomination membre conseil présidentiel de transition dans le plus bon délai et dans le plus bon condition. Donc, il y a un dossier que nous avons suivi. Pendant ce temps, il y a un mouvement 29 mars qui regroupait plusieurs dizaines d'organisations sociopolitiques qui dit que, eh bien, ils ont même plaidé en faveur d'installation du conseil présidentiel de transition. Renan Toussaint Abdino Plus depuis Port-au-Prince, dans le pays d'Haïti. Reginald Dumé, qui est un pétro-challenger avec Josué Sterville, responsable CRIPEP dénonce attitude équipe gouvernementale Ariel Henry par rapport à l'enterre qui enregistré dans le processus pour mettre campé conseil présidentiel transition. Là où moun ou prend l'état ou fait tout du théâtre ça ou l'état tout nous théâtre arrêté sorti ou dit non l'état encore démenti l'état sorti l'état dit non c'est son problème c'est valeur pays a c'est sacrifice que j'enseigne nous, spécialement en prière, à fait Jean-Jacques Dessalines. Nous venons de politiciens, nous-mêmes comme jeunes qui va faire politique, tant pour hasard, nous-mêmes qui à l'école politique, qui fait science politique, nous venons de politiciens. Bon, quand on arrive, patriotisme, il est primé sur l'idéologie politique. Ça me dit qui ça? Nous, dans l'effondrement d'Haïti, là. Intérêt mesquin, intérêt personnel, si pas gain Haïti, pas gain intérêt. Ni vous pouvez, ni vous même intérêt mesquin là, pas bien, parce que tout intérêt là sorti de Haïti. Je dis à idéologie gauche ou droite, c'est pas lui qui a mené non, ni à gauche ni à droite, parce que je dis à si Haïti effondré, idéologie là va pas faire avec. Non c'est ça. Nous venons dire que patriotisme, il est primé sous idéologie politique, c'est ça au relais pour transcender, c'est ça au relais pour faire un déplacement de soi. C'est ça, Aurélie, pour dire, au fois, nous-mêmes qui avons fait politique depuis 37 ans, nous-mêmes qui toujours dit, c'est nous qui avons participé dans cette élection, nous-mêmes qui toujours participé dans cette transition, et nous pétons nous là.
un dossier qui provoque un pile controverse en la société, puisque il y a des gens qui pour conseil présidentiel, il y a des gens qui pour choix, un juge au niveau de la cassation. Renan Toussaint, pour VOA Creole, Port-au-Prince. Merci, Renan Toussaint. Donc, c'est confusion ça qui gagne. Il y a un petit secteur qui est d'accord avec l'installation du conseil présidentiel de transition. Nous connaissons qu'il y a 9 membres avec 2 membres qui n'ont pas droit de vote. Mais vendredi qui s'est passé là, il y a un arrêté qui s'est sorti et qui est paraît dans le journal officiel Le Moniteur qui est parlé de conseil présidentiel là, mais sans que nos conseillers ne soient sortis parce que, d'après information, t'as semblé que yo conseiller yo yo gen des formalités pour yo remplir pour yo capable vraiment éligible pour yo venir faire partie de conseil et présidentiel de transition. Pendant ce temps grand pile réaction qui sorti gen moun qui par exemple partie prenante qui dans formation conseil présidentiel de transition qui rejeté arrêté qui sorti dans Le Moniteur et qui fait qu'on est que eh ben yo même yo retiré yo remanié et accord politique que parti prenante yo te joindre. Donc jusqu'à présent son situation qui compliquée et personne pas connaît qui le que eh ben conseil présidentiel transition a installé surtout que poko gen non vraiment. Donc et pendant ce temps gen l'autre secteur tout dans vie nationale là que même k'ap mandé pour y aller dans et cour de cassation pour choisir un juge qui régulièrement nommé. Et là encore, et jury se dit son l'autre problème encore, l'autre dit régulièrement nommé, hein. C'est qui gens que régulièrement nommé. Donc, n'a pas su pour VOA Creole, toujours absurde pour nous. Et puis, l'autre point dans l'actualité, il y a plusieurs responsables d'organisation et partis politiques dans la ville Saint-Marc qui ont même baillé opinion sous débat qu'a fait sous installation conseil et présidentielle transition. Nous avons sur place Junior Racine. Déportation haïtien par banak pa paquet sous frontière Haïti à République Dominicaine après impossible. Selon quelques chiffres OIM communiqués sur site li, sorti février, les situations insécurité à Vinpi mal en Haïti pour arriver avril 2024, autorité dominicaine yo déporté environ 7000 haïtiens. Série déportation sa yo faite dans 4 points officiels frontière Haïti à République Dominicaine. Belader, Wanamet, Malpass ak Ansapit. N'importe qui joue, n'importe qui l'est. Aya lundi 15 avril 2024 là, qui c'est un jour marché en DPI yo, pendant activité commerciale a déroulé, VOA Creole te constaté environ 3 camions immigration dominicaine chargés ak haïtiens sans papier, autorité dominicaine yo voyé tourner en Haïti. Aucun nan yo pa te vle parler dans la presse. Pour ça qui gen awe ak marché d'Arabon nan, condition yo pa changé. Pour yon haïtien entrer à l'acheter en dans marché a, faut qu'il fait empreinte. Aucun haïtien pa gen droit dépasser limite marché a. Sinon, autorité immigration dominicaine Kenyo a arrêté ou et déporté ou sous place. Mais les marchés font ça ou bien aujourd'hui? Jodley Junior Saint-Ville, depuis Wanamet, pour VOA Creole. Merci Jodley qui t'a parlé nous de déportation qu'a fait en République Dominicaine malgré difficulté, malgré problème, malgré crise qui gagne dans le pays d'Haïti, mais gagne déportation qu'a fait et il t'a parlé nous qui gens marché qui sous frontière de pays partagé et qu'on y a tant qu'on t'a annoncé, nous allons rejoindre Junior Racine qui parle ba nous et opinion quelques organisations sociopolitiques sous débat qu'a fait sous installation conseil présidentiel de transition. Plusieurs responsables organisations et partis politiques dans la ville Saint-Marc bay opinion sous débat qu'a fait sous installation nouveau conseil présidentiel là après gouvernement démissionnaire Ariel Henry a d'accord publié décret création conseil là. Dans une interview ancien magistrat Saint-Marc là bay la presse sous installation nouveau conseil neuf femmes là coordonnateur départemental la Tibonite là parti politique Uniforce là Charline Thompson t'a réagi comme ça. Pour conseil présidentiel là moi me pensais que on dit là quoi qu'a fait. Et c'est démagogie et gouvernement lui-même l'a fait parce que je dis en une situation que gouvernement ça mette pays à camper l'autre gouvernement qui passait déjà donc quoi que pays a pas gagner dilatoire encore et il y a un ensemble de monde qui a discrédité et conseil présidentiel là moi je pense que c'est malhonnête et c'est là où jouer nous et je dis non c'est politicien. Parce que pour quelle raison, pour quelle que soit raison, moi je pense que c'est un conseil présidentiel qui peut gagner.
Et conseil présidentiel ça, il réunit tout secteur dans la vie nationale là. Donc puisque il y a tout secteur là donne, mais c'est là pays a capable une chance pour le capable aller en souffle. C'est international là tout pour n'attendre. Par conséquent, moi je pense que le gouvernement doit prendre décision pour les publier non monde qui fait partie du conseil là. Pour ancien magistrat, problème non, pas un problème technique, c'est un problème politique, c'est une réponse politique qui pour résoudre crise là. Coup de cassation c'est moi pas que vouloir pièce instance. Coup de cassation mais nous on est jugé mal nommé, ça c'est premier bagaille. Et deuxième qui bagaille dans coup de cassation, je dis on pas une crise et technique. Nous avons dit qu'il y a une crise sociopolitique. Son crise politique liée, toute réponse pour valider son réponse politique liée. Là, allons pour des cassations, là, on va dans la politique. Bon, côté parle, Rolmi Aksida, qui est secrétaire mouvement populaire, Balati Bonitla, Mopob, si pas gen un yen qui fait dans le jour qui vient là, il va le passer à qui on l'autre vitesse. Dans ce sens, nous avons lancé un appel avec toute organisation de base, avec toute organisation politique. Si dans jour ça yo là gouvernement pas décidé publier liste 9 membres conseillers qui va diriger pays pour avoir une bonne sécurité pour peuple la ca soulager pour moun ka entre Port-au-Prince pour ti marchand gavane nous va mettre pied nous à terre et cette fois nous va frapper bien nous pour... métropole Bas-Antibonite Saint-Marc Junior Racine la voix de l'Amérique. Merci Junior Racine, nous voulons de façon spéciale saluer toutes les amis qui dans le moment ça a branché sur toutes les plateformes Véro Creole pour se suivre. Rendez-vous info, moi c'est Jacqueline Bélizère. Je connais que gen moun ki a su de très près et bouillon boule qui gagne jodi a mes amis gen, c'est le quart de finale retour Ligue Champion mes amis et Paris Saint-Germain 3-1 sous FC Barcelone pendant que Borussia Dortmund 2-1 sous Atlético et Madrid. Donc ça veut dire dans moment on a parlé là Paris Saint-Germain a pratiquement qualifié pour semi-finale. Donc mes matchs là poco fini ou souvé au Acréole. On nous bail on nous reprend actualité à politique et ben avec crise dans pays d'Haïti a gen représentant et spécial secrétaire général pour Timoun ak conflit armé Virginia Gamba qui exprimait une pensée spéciale pour Timoun ak jeune dans pays d'Haïti surtout avec violence qui gen dans pays a gentil Augustin Junior. Les jeunes là et les enfants d'Haïti sont les oubliés du monde. Interview dans New York 12 avril passé, Virginia Gamba, représentant et spécial secrétaire général pour Timoun ak conflit armé, dit que monde l'oublié jeune ak Timoun yo en Haïti et personne pa vle aider yo. Li te continue pour dire: nous sommes en train de faire une monitoring, une surveillance de la situation de les 6 violations graves contre les enfants dans Haïti. Et c'est épouvantable. Et la violence sexuelle, c'est épouvantable contre les jeunes filles. Le recrutement et usage des enfants pour assister à les gangs, c'est une chose forcée. Mais plusieurs des fois, il n'y a pas aucune autre possibilité pour les jeunes personnes d'Haïti de faire quelque chose pour manger que d'accéder. À être utilisé par ces gangs. Depuis les conflits entre gangs armés ont commencé en Haïti, soit pour gagner plus de territoire, soit pour allier yo, ou soit pour goumer contre gouvernement en place là, couche dans population un phénomène ça plus frappé, c'est jeunes yo, timoun yo, actifi yo. Madame Virginia Gamba dans interview dans New York, te dit li gen gros la pérèse pour jeune sa yo. I think that there is moi pense que gen yon gros quantité zam kap entre en Haïti que gang yo ap utilisé. Moi absolument convaincu que yon nan pi gros la pérèse moi c'est que pi jeune yo en Haïti takatou vin victime trafic, spécialement ti fi yo pour raison sexuelle. D'après représentant et spécial secrétaire général pour Timoun ak conflit armé, toute communauté a doit gagner un bon avenir et yo doit traîner dans avenir ça tout monde qui victime yo. Li fait konnen tout pour joindre une réponse à situation ça qui a ravagé Haïti a, ça pral mande en pile ressources ak en pile l'argent. Ma préoccupation c'est que le monde s'oublie de Haïti. Il y a plusieurs crises mondiales et beaucoup d'argent est en jeu.
dans tout le monde. Il n'y a pas beaucoup d'argent pour la réintégration des enfants de la guerre, ou même pour qu'une communauté puisse avoir une chance de sortir de la violence. C'est possible? Oui, c'est possible. Mais c'est urgent que les États membres et même la société civile organisée puissent avoir des fonds pour faire ça. Situation Haïti trouvée là, toujours dans mi-temps en pile discussion dans international là, dans souci pour voir comment yo ka joindre une solution avec acteurs locaux pour permettre la vie reprendre dans pays ya, et spécialement résoudre problème gang armé yo. Timoun yo ki pa ka à l'école, toute institution l'état yo ki pratiquement fermé et pays ya qui pa gagnon représentant élu depuis après la mort président Jovenel Moïse 7 juillet 2021. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Miami. Merci Gentil Augustin Junior, mes amis, n'a fini avec Boula. Nous connaissons que nous pral sorti, nous pral quitter, nous pral mettre fin dans programme là et match pourquoi fini. Mais dans moment n'a parlé là, et ben match là 2-2 entre Borussia Dortmund avec Atlético Madrid et puis FC Barcelone lui-même, li gen yon gol et puis Paris Saint-Germain gen 3 gols. Donc 3-1, donc pratiquement Paris Saint-Germain t'a supposé qualifié. Et puis demain a gagné match encore, gagné Real Madrid qui a joué contre Manchester City, match a été fini 3-3 dans le stade Santiago Bernabeu. Et puis a gagné Arsenal Bayern de Munich, match a été fini 2-2. C'est là nous mettez fin dans le programme, c'est un plaisir comme d'habitude pour nous servir. Merci Franklin, thank you so much. Et puis nous remercions Jean-Marc Hervé Abela et puis tout l'autre monsieur, sans oublier monsieur Fred Kaimit. Bonsoir tout le monde, moi c'est Jacques Lambélizère et à demain.